Allez, je quitte Arles et je me mets en route vers la dernière section de mon voyage, puisque je n'irai pas à la Sainte-Baume, puisque la Sainte-Baume est fermée, la grotte de la Sainte-Baume est fermée pour risque d'éboulement, donc j'ai choisi de ne pas y aller. Donc je prends ma direction vers le nord, vers Joyeuse et vers les gorges de l'Ardèche. Donc je devrais être à Joyeuse d'ici environ une semaine, plus ou moins. Et comme mon train a été annulé hier, eh bien finalement, j'ai choisi d'y aller à pied. Parce que l'idée de me dire finalement qu'en prenant le train, j'allais arriver à Bolène et que de Bolène, il ne me restait plus que 3 jours de marche pour accéder à Joyeuse, ça m'a fait un peu bizarre. Je crois que j'étais pas prête en fait à arriver dans 3 jours. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Bon ben voilà, j'ai marché un tout petit bout sur le chemin de Compostelle ici à Arles. Et c'est là que nos chemins se séparent puisque le Camino continue tout droit. Et moi, je vais prendre le pont mobile ici pour me diriger vers le nord. Allez, un petit coucou ici aussi, on est à Tarascon. Et là, je traverse le Rhône. Bonjour, alors je quitte Tarascon, voilà où est le château. Bon, vous pouvez constater aussi que j'en ai profité pour aller chez le coiffeur grâce à l'orage qui m'a invité à me poser là une journée. Oh, bah, plutôt contente d'être enfin sortie de la ville. Là je suis maintenant sur le GR6, pour le moment qui longe une piste cyclable. Et je suis bien contente de retrouver un peu de calme, de solitude et un espace sans masque. Sacrée végétation ici. Bon, et puis je suis en fait sur le chemin de Compostelle. J'avais bien repéré quelques balises à Arles bien sûr, à Tarascon aussi, à Beaucaire. Voilà, et là donc sur cette piste cyclable, sur ce GR, eh bien je suis aussi sur le chemin de Compostelle. Je vois la balise de temps en temps. Ça me fait plaisir. Bon, je serais bienvenue voir ça. Mais c'est fermé. Et... tant pis. Ce sera peut-être pour une autre fois. Et même de l'extérieur, ben, on voit pas grand-chose. Hein. Tant pis. Bon, je vais aller faire un tour alors. Bon, ben voici arrivé en haut de l'ermitage de l'aiguille. Il y a déjà quelqu'un. C'est impressionnant, cette roche.
beau, on dirait que c'est sculpté par le temps, sans doute, évidemment. Oh! Ah bah voilà la vie. Jolie vue. Bon bah voilà, je me suis fait une copine. Bon bah c'était bien sympa cet endroit. Quand je vois des chemins comme ça, je suis toujours curieuse de me dire ça date de quand en fait. Tout comme ça. Un joli 5 ici. Ah, ça me fait plaisir de retrouver d'autres paysages. Toujours sur Compostelle, à contre-courant. Moi, c'est par là. Bon, bah là, je suis un peu deg. Hein. voilà. Bon. Je crois que je vais enlever les chaussures. Je vais mettre les sandalettes. Tant pis, je vais les mettre dans l'eau. Bon bah voilà, je suis prête. Oh voilà là, j'aime pas ça. Sacré image. Je retrouve les montagnes, les paysages, les sentiers, ça fait du bien.